Salut Bilou, c'est pour te montrer un truc tout simplement. J'ai déjà diminué aussi le son. Donc c'est la maison de Teddy. Donc ce qu'on va déjà faire, c'est qu'on va diminuer le son. Je pense que le son est trop fort. Oui. Ah ouais, quand même. Ah non, il a 20%. Ouais. À 20% quand je fais des vidéos. Voilà, en fait, ma chère Bilou, je vais te montrer un truc. J'ai optimisé la maison de Teddy. Mais en fait, je vais te montrer un truc qui a, il y a un petit problème. En fait, c'est qu'il y a eu beaucoup quand, vu que c'était une map que tu voulais éventuellement pour les gens l'envoyer pour que les gens puissent prendre la map, en fait, c'est cool, c'est top. Mais il y avait juste un petit problème, c'est que en fait, il y avait des trous partout. Des trous comme ceci. Attends. Ici j'ai colmaté donc ça va, mais voilà, avant voilà, il y avait des trous comme ça quoi, avec de l'eau qui passait. Bon, ici du coup c'est pas de l'eau parce que voilà, mais d'ailleurs ça je pense que je vais le remplacer. Je vais le remplacer pour donner mettre plutôt autre chose. Je vais te montrer ce que j'ai mis. Voilà, j'ai mis des verres comme ça. Non, c'est pas des verres. Si, si, c'est des verres. Ben, voilà, c'est ces verres là en fait. Donc celui-ci, ah non, voilà, vert bleu clair, c'est le même. Voilà, regarde, ça donne ça quand il y a des soucis, voilà. Et du coup ça, il faut éviter que ça, on peut faire ça et ça colle mal. Et du coup ça finit par se calmer à un moment ou à un autre, mais voilà, ça fait pas mal de dégâts du coup parce que en fait, comme tu vois, non, ça va, la maison n'a pas grand chose de soucis, n'a pas trop de soucis. Ça va, elle est jolie, hein. C'est très joli. Oui, mon paquet. Ah, ça, je sais pas. Ah, c'était déjà là. Ok. Regarde comme c'est beau. Très, très joli. C'était pour te faire un petit tour aussi en mode shaderification. Comme ça, tu vois un peu à quoi ça ressemble avec des shaders en fait pour le plaisir des yeux. Que les shaders c'est la vie, et aussi parce que je suis tout mou, hein. C'est de mousse, voilà. Et du coup, regarde ce magnifique wouhou photo. Est-ce que ce serait pas une magnifique wouhou photo ça? Et si on a pris une photo tout mou, c'est magnifique wouhou lumière tout mou. Bien sûr. Bon, il y a des monstres qui se promènent, on s'en bat les steaks. Ce n'est point grave, je suis à. Combien de tchoum tchoum FPS? Je suis à 50 tchoum tchoum FPS. Oui, c'est des tchoum tchoum FPS. Je peux passer à un autre shader si tu veux pour te montrer deux plans de shader différents. Je vais me remettre en mode truc net. Et je vais te montrer après, on va faire des tests. On va sortir des. Mais en tout cas, ces shaders là, c'est des lus. Tu vois, il y a des. Oh non, tu vois pas. Et c'est assez lumineux, mais j'adore l'eau. Regarde comme elle est belle. Voilà, c'était super. Et du coup, c'est cool de se promener dans la map avec des shaders. Parce que moi, je peux pas me passer de shaders. Je ne retire pas les shaders parce que je trouve que le jeu est moche sans shaders. Après, ici, peut-être que c'est des shaders qui sont trop lumineux pour toi, visuellement. Mais moi, j'aime bien quand ça me défonce les yeux. Voilà. Et... sûrement parce que j'ai des yeux en mousse. Alors. C'est quoi ça? Oui, j'ai pas terminé la saison, donc du coup, je sais pas trop ce que. Du coup, je me spoil un peu, mais je m'en fous. Je vais l'optimiser en un point. Putain, il y a des. En 1.19.2. Donc la map, ici, elle est. En 1.19.2, merde. Et du coup, il faut faire quelque chose de très très important pour le luminaire. Mettre des roues coquinou. Ah oh bah oui, hein. J'en veux partout. Non mais oh. Allez. Des roues coquins. Allez. Voilà. Voilà, on est heureux. C'est mieux. Sans roues coquins, la vie est nulle. Voilà, des magnifiques coquinou. Voilà.
J'évite d'imiter le renard, je sais un peu le faire, mais c'est un truc comme ça, mais je préfère pas trop le faire en fait. Parce que ça veut rien dire. C'est un singe, je sais pas. Oui, c'est ça. C'est quoi ça? Des poulpes lumineuses. Oh! Ah oui, c'est nouveau. D'accord. Alors, donc ça, c'est pour les shaders tout mou, fait de mousse. Quel magnifique ou shaders. Hein. Non, on va mettre les autres shaders. Les shaders autres qui peuvent donner un point divergent. Peux te montrer une autre version encore plus classe. Tiens, je postillonne sur mon. Mon écran. Bah, c'est pas un écran, en vrai, c'est ma Ouyon Canvas GT de 19 pouces. Ça, j'utilise comme moniteur principal parce que je suis pauvre. Ça va, c'est du 60 Hz. Et c'est avec ça que je fais mes magnifiques goûts dessins. Les magnifiques goûts dessins que vous faites là. Donc voilà, c'était pour te montrer un peu ce que ça donne avec. Avec des monstres en plus, c'est cadeau. Donc on va changer, je vais te mettre une autre version. Tu vas être là en même temps pendant que je fais là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les shaders. Oui, je collectionne les shaders parce que je suis tout mou. On va mettre du coup ceci. Donc, ça donne ça. Attends, je vais d'abord vérifier que c'est bien ça parce que je ne suis pas sûr que c'est les bons shaders. Oui, c'est des bons shaders. Je reconnais mon eau. Oui, c'est des bons shaders. C'est des shaders du coup un peu plus pauvres, hein, parce que voilà, regarde, je suis à. Bon, on arrive plus ou moins au même niveau d'FPS. Il y a plusieurs sortes de choses. Mais pourquoi je mets. Tu m'as dit pourquoi je mets ces shaders là? Bah, en fait, c'est parce que je vais mettre un pack de textures en plus. Pour le LOL, en fait, je vais te montrer. Va mettre ce pack de textures là. Et tu vas voir, ça va être stylé. Train de nettoyer. Hein. Ou si tu entends un bruit de ventilation, c'est mon PC. Alors, pour information, c'est un PC Xeon que j'ai. Voilà, je suis à 30-40 FPS maintenant. Ça prend 10 FPS, ce pack de texture. Donc voilà, pour information, c'est un PC Bah, avec un processeur Xeon à 4,30 GHz à 4,30 GHz et c'est magnifique et du coup si tu veux bah, ici il est à 4,9 parce que c'est Windows 11 et il y a une carte graphique intégrée qui est un Quadro simulé en bref ça fait largement tout juste le taf pour ce que je veux comme par exemple jouer à des jeux avec des ombres et tout ça comme tu vois je suis à. Si je suis à 40 FPS, ça me va amplement. Tant que je suis à au moins 30 FPS, ça me va. Et du coup, voilà, ça c'est le deuxième couple, c'est les shaders là. Je mets toujours avec ces shaders-ci. Tu vois, c'est ce pack de textures là, pardon. Je mets toujours avec ces shaders là parce que je vois que ça fait plus réaliste. C'est un côté un peu plus impressionnant, ouais, je l'avoue. Moi j'ai l'habitude, hein, mais j'adore ça. Et du coup, tu vois un peu comment moi je joue et comment je joue, quoi, c'est tout. Et du coup, oui, ceux-là, ils sont moins forts au niveau visuel. Hein. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils donnent en plus, c'est que c'est magnifique les effets de lumière. Regarde-moi ça. J'ai aussi l'Exeus, mais l'Exeus, je serai à 25 FPS à cause du pack de texture. Donc... Ah, non, y a rien. Donc voilà, tu vois un peu ce que ça donne. C'est magnifique. J'ai même presque envie de jouer avec ça. Et en pire, on va peut-être digérer parce que je peux éventuellement mettre l'autre aussi. Putain, j'ai postillonné encore. J'arrête pas de postillonner sur mon écran. Ah, ça m'énerve. Oula. Voilà. Donc, voilà. Tu vois un peu à quoi ça ressemble les jardins à la française. Avec les trucs comme ça. Je ne bouge plus pour le moment. Mais arrête de bouger, connard.
Je ne bouge plus pour le moment pour la vidéo pour éviter que ça fasse du tout. J'attends quelques secondes. Donc comme tu vois, c'est magnifique. Ça donne quelque chose de vraiment très très beau. Je pense que c'est bon, hein, t'as vu. C'est parce qu'il faut laisser un petit moment pour les artefacts, la compression et tout ça, que ça fait de la merde. Et du coup, on va aller voir dans la roue maison. L'eau, elle est un peu moins. Elle est bien quand même, mais elle est un peu moins bien. Oui, et du coup, ça change pas de texture. Ça, je peux rien y faire. Mais le truc intéressant, c'est surtout ça, regarde. Les arbres. Oh, c'est réaliste. Et j'ai encore plus réaliste. Et les chaises, bah, ça fait ce petit effet sympathique, regarde. Les tables aussi. Ça donne un petit charme, quoi. C'est très beau. J'ai envie de jouer avec ton bar, une chance. Comme tu vois, c'est assez joli. C'est anthracite qui fait ça. Tu vois, regarde ce que t'as fait, Bilou. Regarde comme ça rend bien. Ah ah. Et oui, ça fonctionne bien. Mousse-moussez-vous. Oui, je sais, normalement, vu que c'est un processeur Xeon, c'est un PC qui est fait pour la 3D et le dessin. Et c'est perfect. Mais bon, je triche un peu, j'utilise aussi pour Minecraft. Il faut savoir que si je n'ai pas de shaders, j'ai 300 à 400 FPS. Et comment te dire qu'avec 60 Hz en termes d'écran, ça me sert à quoi d'avoir autant d'FPS? Tu vas me dire, bah oui, ça sert à rien. Donc du coup, autant tricher et mettre Forge ou Optifine. Ici, c'est Optifine, hein, c'est pas Forge. Pour les shaders, mais ça marche pas. Hein. Je suis quelqu'un qui m'y connaît bien en mode et tout ça. Et enfin, en tout cas, je sais faire. Je sais installer des mods, je sais installer des trucs. Je sais modifier des packs de textures en foutant de la mousse dedans. Non, j'ai connu. J'ai pas foutu de la mousse dans les packs de textures. Pas dans le mien, oui. Avec des magnifiques split, hein. Des magnifiques woo. C'est ce que je suis. Hein. Je suis un magnifique split. Hein. Un magnifique ou tout mou tout blanc, un magnifique tchoumeux. Voilà, c'était tout, hein. C'était juste ça pour te montrer. Je vais pas prendre longtemps parce que sinon ça va prendre du temps à uploader. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo sympathique t'a plu. Ce qu'on va pouvoir faire ici au pire dernièrement, et bien sûr, du coup, les merde, je me suis trompé de bouton. Oui, ah non, j'avais laissé F machin ouvert. Qu'on peut faire ici éventuellement, c'est de changer de shaders pour terminer. Par exemple, j'ai les deux. Je peux te montrer. Si tu veux. Attends, c'est celui-là que je dois mettre, je pense. Regarde. Voilà. Ça, c'est les deux. Par contre, ici, je suis à 25 FPS, comme je te l'ai dit, à cause du pack de texture. Sinon, je suis à 35. Donc voilà, je te montre un peu ce que ça donne. On va mettre, par contre, le jour. Flash. Est-ce que ça marche? Non, voilà, on peut pas. Flash. Non, non, il veut pas. Flash. Time Z Day. On a oublié de faire le marquer comme ça maintenant. C'était mieux avant. Pourquoi ils ont pas laissé le slash? Voilà, tu vois que ça rame un peu. C'est en mode cinématique tout mou, mais bon. C'est pour te montrer ce que ça donne un peu. Hein. Après, moi, je me repasse en truc. Rapidement, voilà, c'est des shaders qui sont assez magnifiques, ça. Voilà, comme tu vois, c'est beau. Donc, excuse-moi vraiment que ça rame un peu. Regarde l'eau, comme elle est magnifique! Oh, c'est impressionnant, vraiment magnifique de chez Mousse Mousse Magnifique. Ça représente un peu le niveau des RTX au niveau shader tout mou. Et du coup, bah, c'est des magnifiques shaders tout mou et de mousse. Voilà, c'est mes shaders préférés au monde. Et après, c'est les bus et tout ça. Mais voilà. Comme tu vois, l'eau est magnifique. C'est de toute beauté. Là, on n'est plus dans Minecraft, on est dans un autre jeu. Eh oui. Et comme tu vois, ça rame à mort. Parce que voilà, c'est un petit PC que j'ai. Hein. Ou pauvre, hein, ou pauvre. Ou on connaît sa pauvreté tout mou. Moussez-vous. Et du coup, on va remettre mes shaders chéri. C'est ceux-là. Plus attends que je check, ouais, ça a l'air d'être cela. Voilà, je remonte à 30, c'est mieux. Et du coup, voilà ce que ça donne. On a remis les luttes. Pourquoi ça marque 2 d'ailleurs? On sait c'était 1. Voilà, les luttes sont remis. Et voilà ce que ça donne avec mes shaders que j'utilise qui défonce les gneugneux. Moi, j'aime ça.
J'aime bien en fait l'effet de blur en fait, mais c'est vrai que c'est assez fort. Il y avait les autres shaders, les tritons, mais ouais. Donc, t'as marre. Ah oui, t'as un effet de profondeur aussi. C'est un peu mal au jeu quand même de faire. Ah voilà quoi. Donc allez, je vais. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les choses normalement. Oui, voilà. Anthracite pack, hein, bien sûr. Et du coup, si je refais ça, je passe avec la meilleure, une meilleure qualité. Parce que oui, regarde, d'un coup, ouf, je suis à 55 FPS au lieu de 30. Et oui, ce pack de textures pompe énormément. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas trop. Moi, j'aime bien rester en mode celui-là et c'est bon, ça me va très bien ce pack de texture avec ce shader. Les shaders me vont très bien. Oui, pour information, oui, chunk, c'est le strict minimum que tu peux avoir. Attends, je regarde. Ah non, non, c'est bien, Luce 1, je ne me suis pas trompé. Ah oui, tu as aussi les shaders Chocapix aussi pour terminer. Si tu connais pas. Voilà, c'est un des trucs que j'aime bien aussi utiliser. C'est aussi une technique sympa. Shader Chocapic, c'est ça. Hein. Oups. Suis bourré de boutons. Et du coup, bah, les Shader Chocapic, c'est la fête parce que je suis à 70 FPS. C'est la fête C'est fluide, quoi. C'est super fluide. Si je prends les médiums ou les lows, je monte encore plus haut à 100 FPS. Enfin, voilà, c'est un truc de taré à quel point c'est bien utilisé. Bon, c'est pas pour autant que c'est dégueulasse, hein, regarde. C'est pas moche. Hein. Ah, c'est pas moche du tout. Très beau. Et là, on pourrait refaire pareil, en fait, on pourrait remettre les trucs et tout ça donnerait super bien, quoi. Mais bon, je vais pas, j'ai la flemme de refaire. Voilà, c'était une petite vidéo pour te montrer un peu ce que ça donne. Tu sais, le petit plaisir de se promener comme ça. Ah oui, excuse-moi, c'est des faits de profondeur. C'est moi qui l'ai activé, ça, le focus. Parce que, en fait, tu peux carrément, voilà, c'est d'off que j'ai activé. Tu peux tripatouiller les shaders. Quand tu t'y connais, moi vu que je m'y connais, je le fais. Mais quand on sait pas, c'est normal que on peut pas faire comme ça. Et voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo sympathique. Par exemple, celui-là, il me semble que j'ai fait pas mal de tripatouillage pour certaines choses. Parce qu'il n'y avait pas tout forcément qui était où. Et tu vois, le ciel est magnifique. Hein. J'aime bien l'eau, elle est sympa. C'est de l'eau assez claire, comme tu vois, mais ça fait taf, quoi, ça fait illusion. Ben oui, le truc c'est que c'est en mode, on est, comme tu dis souvent, on est au paradis en fait ici. Avec... Ouais, je sais plus là, les... Ah oui, c'est le soleil vient de se lever. Une belle journée. T'as vu, les glaces font un effet de reflet. Donc c'est vraiment bien fait. Donc voilà, c'était. Je vais terminer ici, je vais le laisser ici. Donc voilà, moi je vais continuer à jouer de sur mon côté. Et j'espère que tu auras vu cette vidéo. Et vraiment désolé si elle était trop longue. C'est parce que j'avais trop envie de te montrer ce que ça donne avec des shaders. Parce que c'est tellement magnifique quand il y a des shaders tout mou. Allez. On va se dire à mousse mousse bien.